Alors, attends, je voudrais réagir. Premièrement, moi, je sais pas pourquoi, mais ça a aucun effet, cette histoire. Alors, j'étais gamin, hein, mais quand je l'entends, ça ne fonctionne pas parce que j'ai une acuité. Enfin, je m'étonne d'ailleurs que des gens qui ont beaucoup plus de connaissances et d'expérience que moi aient pu croire à cette fable, à cette erreur, parce que ça glisse comme l'eau sur un parapluie sur moi, tu vois. J'arrive pas à comprendre comment on peut tomber dans ce travers. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, on s'en fout, c'est juste moi. Mais est-ce que c'est véritablement une erreur ou est-ce que c'est déguisé une idéologie justement qui veut se naturaliser de façon déguisée? Je pense que c'est pas conscient. Tu sais, plus tu es inséré dans une société, plus tu occupes des positions centrales dans une société, plus tu épouses les normes de cette société. Et du coup, plus ces personnes-là qui sont d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue scientifique, qui sont parfaitement insérées dans la société, qui baignent, Bourdieu parlait d'habitus, qui sont dans un écosystème particulier, ces personnes-là, pour eux, tout ça est normal et naturel. Je pense qu'ils croient réellement à toutes ces, qu'ils croyaient réellement à tous ces éléments-là. Je pense qu'ils y croyaient, et je pense aussi que s'il y avait des étincelles de prise de conscience, il y a quand même le risque de remettre en question tout ce système dans lequel ils sont si bien installés, tu vois. Oui, et d'ailleurs, c'est une théorie assez importante en psychologie sociale qui s'appelle la théorie de la justification du système. Et cette théorie de la justification du système, elle nous dit que les êtres humains sont motivés à justifier le système dans lequel ils sont. Le constat de départ de cette théorie, c'est de dire que depuis la nuit des temps, nos civilisations, nos sociétés sont des sociétés inégalitaires, avec une répartition des richesses qui est extrêmement déséquilibrée. Et que, statistiquement, le nombre de révolutions qu'il y a pu avoir est très faible par rapport à ce déséquilibre majeur. Et du coup, le point de départ de cette théorie, c'est de dire comment se fait-il, alors que nos sociétés sont particulièrement inégalitaires, qu'il y a eu aussi peu de révolutions? Qu'est-ce qui fait que des groupes dominés légitime finalement cette forme de hiérarchie sociale. Et cette théorie-là, ce qu'elle souligne, c'est que consciemment ou inconsciemment, nous avons tendance à préférer, en tout cas à valoriser une forme de stabilité. Si je pense que tout à l'heure je vais prendre ma voiture et que je n'y serai strictement pour rien, ce ne sera pas de ma faute, mais j'aurai un accident de la route, cette pensée-là, elle est extrêmement anxiogène. Donc on a besoin de croire que l'on contrôle ce qui nous arrive et que dans la vie, on a besoin de croire que le système est juste et que finalement, on a ce que l'on mérite et on mérite ce que l'on a. Et cette théorie-là, effectivement, elle souligne ce que tu disais sur la motivation à justifier le système en place, D'accord. y compris quand tu n'occupes pas des positions avantageuses. Oui, est-ce que c'est pas, je sais pas si tu es au courant, est-ce que c'est pas un peu le propos de la Boétie aussi? Alors la Boétie, c'est oui, c'est la Boétie avec Volontaire? la soumission volontaire, effectivement, il souligne une implication de ça. La matrice psychologique de cette soumission volontaire, c'est la tendance des êtres humains à tendre vers une forme de stabilité du système, à Conservatisme. valoriser une forme de stabilité ou de conservatisme du système, tout à fait. Oui. Mais il y a des travaux sur la. En psychologie sociale, on parle de la soumission librement consentie. Ça fait écho à la soumission volontaire. C'est que j'obéis en pensant que ça vient de moi. J'obéis à un ordre, j'obéis à une prescription, mais je ne suis pas conscient que c'est un ordre auquel j'obéis. Oui. J'ai l'impression que c'est moi qui l'ai décidé. J'ai l'impression que ça vient de moi. Oui. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand l'idéologie est parfaite, arrive à un niveau de perfection, elle devient une normalité, un désir, tu vois, quelque chose dans lequel on veut s'inscrire et perdurer, tu vois. Même quand Quelque on... chose de naturel. Pardon? Quelque chose de naturel. Voilà, Ça naturel. s'est perçu comme naturel. Même quand on est la victime.
Du coup, parce que la Boétie, c'est ce qui l'interroge. Comment ça se fait que ceux qui sont victimes du système le légitiment, tu vois? C'est parce que il y a peut-être un certain atavisme, un certain instinct de conservation qui nous fait préférer une situation inconfortable à l'inconnu, même si l'inconnu pourrait être meilleur, tu vois? Exact. Oui, je partage cette analyse tout à fait. D'accord. Et quelle est la place, d'après toi, du libre arbitre là-dedans? Parce qu'à mon avis, il y est pas là. Ben, la notion de libre arbitre, elle est, pour moi, elle est beaucoup moins importante qu'on ne l'imagine. Elle existe, mais elle est beaucoup moins importante qu'on ne l'imagine. Moi, je travaille beaucoup sur les influences non conscientes, et c'est toujours étonnant de constater que les personnes qui se pensent le moins influençables sont celles qui probablement le sont le plus, quoi, parce que plus tu penses que tu n'es pas influencé, plus finalement Tu baisses la tu garde. négliges, tu baisses la garde et tu négliges les facteurs situationnels qui peuvent te modifier. Moi, une des premières choses que je dis à mes étudiants dès la première année, c'est que les connaissances en psychologie sociale sont contre-intuitives et sont inconfortables. Moi, je leur présente des éléments qui montrent à quel point on peut être influencé au quotidien sans s'en rendre compte. Et ça irrite. On n'aime pas se dire que notre libre arbitre est beaucoup plus restreint qu'on ne l'imagine. Mais du coup, c'est pas très positif et pas très optimiste ce que je dis. Mais moi, ce que j'en retire, c'est que être conscient que notre libre arbitre est beaucoup plus restreint qu'on ne l'imagine, ça nous impose la discipline d'être particulièrement Vigilant. vigilant, mais surtout sur les rares aspects que l'on contrôle, d'y aller au maximum. Et qu'est-ce qu'on contrôle? Il y a des choses que l'on peut contrôler quand même. Tout n'est pas propagande. Il nous reste encore une marge de manœuvre. Quelque chose d'aussi Trivial. trivial que réussir un examen. Si tu bosses, si tu prends du temps t'as plus de chances d'y arriver que si tu bosses pas. Si je peux me permettre, ça c'est une position défensive. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que, ok, si je t'ai bien compris, il y a nécessité de comprendre quel est le périmètre réel de notre libre arbitre et de se rendre compte qu'en réalité, il est plutôt restreint. D'accord? Et donc, ce que tu proposes à tes élèves, c'est que les quelques espaces encore sauvegardés de ce libre arbitre, on doit les investir pleinement. Il me semble que c'est une position défensive parce que, bon, on fait le constat d'échec, tu vois, un peu un certain fatalisme à reconnaître la limite en réalité de notre libre arbitre et de dire, ben, ce qu'on a, conservons-le et profitons-en. Alors qu'il me semble que peut-être, enfin, je ne dis pas que c'est déjà un premier pas, tu vois, mais peut-être qu'une attitude offensive, au sens positif du terme, ce serait de dire, ok, premièrement, il y a une nécessité même douloureuse pour l'ego. Là où ici, il faudrait parler de l'ego, mais bon, on va laisser ça de côté, de se rendre compte qu'en réalité, on n'est pas aussi libre que ce que l'on croit, mais il y a quelque chose de transformateur à se rendre compte de ça, tu vois, c'est qu'avant, je pensais que j'étais libre en réalité, et je me rends compte, ah ben non, c'est pas vrai, mais cette prise de conscience, c'est l'opportunité, c'est la clé dans la serrure de la réouverture, du réinvestissement, du réélargissement du libre arbitre, tu vois. Et au lieu de rester sur des positions. Sur une position défensive, à savoir, bon, ça fait partie de ce que je maîtrise encore, ça fait pas partie, tant pis. Ben, c'est de dire, bon, ça fait partie, ok, je le conserve, mais ça fait pas partie, ben, je vais pousser les murs pour que ça. Plus, il y a quand même une nécessité de réalisme. On va pas s'émanciper de toutes les influences qu'il y a, mais d'essayer de les repousser, au moins dans une certaine mesure. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, beaucoup de bien, mais alors plusieurs choses. Oui. Moi, mes étudiants qui ont la vingtaine, ils sont anesthésiés par la société de consommation. Donc ils sont très très loin de en tout cas dans les premières années, de ces prises de conscience-là. Et déjà, rien que le fait de leur faire comprendre que on est influencé sans s'en rendre compte, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ils ont l'impression de, ils sont anesthésiés, mais ils s'en rendent même plus compte.
ils ne perçoivent pas la problématique. Tu peux me donner un exemple de leur façon? C'est quoi? C'est mais non? Ou c'est quoi leur réaction? C'est le refus ou l'étonnement? Je ne sais pas, c'est d'envisager que pour eux, la liberté, elle est que dans la consommation, en fait. Elle est que dans je suis libre parce que je peux aller où je veux, on n'est pas dans une dictature, je peux. Voilà, ils ont ce point de comparaison par rapport à des systèmes dictatoriaux, et du coup, ils ne se rendent pas compte de la limitation de la marge de manœuvre. Donc, ça, c'est le premier point. Et du coup, quand je finis mon cours et que mes arguments ont porté, mes connaissances ont porté, et qu'ils me disent, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, là, effectivement, c'est là que je leur parle d'être conscient et d'agir sur les choses sur lesquelles on a la main, sur lesquelles qu'on contrôle. Le deuxième point, mais j'entends la posture défensive et j'aime beaucoup ton expression sur l'aspect transformateur de cette prise de conscience. Mais il y a un autre point qui est un peu où je voudrais nuancer, c'est que toutes les influences ne sont pas mauvaises. C'est-à-dire que il y a des influences qu'on a besoin d'être influencé. Les influences, ça fait partie de la société et tout n'est pas mauvais là-dedans. Il y a des influences qui nous permettent de savoir comment nous comporter dans certains types de situations. Donc, je ne mets pas une étiquette négative à toutes les formes d'influence. Pour moi, c'est un vœu pieux que de penser qu'on doit être vierge d'influence. Parce que tout notre parcours de vie est marqué par des influences qui nous construisent. Et qui nous permettent d'être dans la société. Voilà, Oui. tout à fait. Mais peut-être alors, tu as raison, tu as tout à fait raison de souligner ça, et pardon, je t'interromps, tu vas pouvoir continuer ton propos, mais je perds mes idées. C'est peut-être le libre arbitre, c'est l'évaluation, tu sais, en réalité. On confond parfois libre arbitre et critique, ouais, ça c'est de la merde, etc. Alors que le libre arbitre, c'est l'évaluation. Et donc, évaluer une influence, ça permet de. Idéalement, en tout cas, de dire est-ce que cette influence est nécessaire, utile, positive? Est-ce qu'elle a un potentiel positif, utile? Ou est-ce que pas, tu vois? Pardon, je te laisse finir. Non, non, mais tu as raison, c'est la différence entre la manipulation et la persuasion. Dans la manipulation, les personnes ne sont pas conscientes du rôle causal qu'a pu avoir tel individu ou telle organisation dans le comportement que je produis. Alors que dans la persuasion, on est conscient que telle personne est en train d'exercer une influence Oui. sur moi. Et cette influence, soit je l'accepte, soit je la rejette, en fonction de mon analyse de la situation. Après, il y a des formes d'influence qui relèvent d'une forme de déterminisme, et là, on bascule dans tous les travaux, notamment de Sartre, sur l'existentialisme, l'essentialisme, tous ces déterminismes liés à nos héritages familiaux, tous ces déterminismes liés à notre lieu de naissance, ce déterminisme lié à notre écosystème de vie. Et effectivement, tout le parcours de vie, c'est aussi être conscient de ces déterminismes, de ce déterminisme-là, et d'essayer de s'en émanciper Là où c'est tout en utile. là où c'est utile, oui. Ouais. Parce que c'est vrai que Mais tu as raison, il y a des utilités, des nécessités dans un certain formatage, je sais pas s'il faut le dire, mais une certaine dans la culture, quoi, dans notre culture. oui, et d'ailleurs, c'est une facette du néolibéralisme que de valoriser, dans le discours en tout cas, l'unicité, vouloir être différent des autres, vouloir se démarquer des autres, ne pas être influencé par les autres. C'est une des facettes des valeurs néolibérales, une des valeurs néolibérales, que de mettre en avant le côté rebelle, tu vois, le côté différent. Mais avec ce paradoxe-là, effectivement, ça j'en parle là, que il peut y avoir une forme d'uniformité, une forme de conformisme dans la différence, dans la volonté d'être différent. Oui. Est-ce que tu dirais que ça, c'est le ver dans la pomme du libéralisme qui mène à l'individualisme? C'en est un, il n'y en a pas qu'un de vert, je pense, hein. D'accord. Quel autre ver tu as identifié, toi, dans le libéralisme? Dans le néolibéralisme? Non. Alors, oui, ça aussi. Bon, finalement, j'ai fait un plan de discussion et on est parti
De ma faute, on est parti un peu dans tous les sens. C'est toujours comme ça. Ouais. À mon avis, il faut qu'on pose ça tous les deux, toi avec ta formation, ta connaissance, etc. Il y a une différence entre libéralisme et néolibéralisme, à mon sens. Et il me semble que c'est ce que tu dis aussi, si je t'ai bien compris. Le libéralisme, c'est, on va le poser un peu artificiellement au moment de la Révolution française, même s'il a des racines bien plus anciennes que ça. Et donc c'est la reconnaissance, c'est une philosophie émancipatrice dans le sens où elle a voulu émanciper les individus du pouvoir royal et derrière lui de l'Église, de Dieu, etc. Donc c'est une philosophie émancipatrice qui reconnaît aux individus des droits et des devoirs. Rapidement, les devoirs, en fait, c'est, on peut le résumer en un seul devoir. Le devoir, c'est de reconnaître les mêmes droits que l'on veut pour soi à tous les individus, de mon point de vue. Voilà. Donc ça, c'est le libéralisme historique, si on veut, originel. Et puis, au fil du temps, pour diverses raisons, nombre desquelles tu as mentionné, il a dérivé vers autre chose, et parmi ces autres choses, il a dérivé vers ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, qui est un peu, soi-disant, l'application du libéralisme au niveau économique. Mais à mon avis, la critique que je fais de ce pseudo-néolibéralisme, c'est que néo, ça veut dire nouveau, libéralisme, ça veut dire la reconnaissance des droits des individus. Or, en réalité, cette idéologie néolibérale, je la simplifie en égoïsme. Certains bénéficient du système, s'enrichissent, les inégalités dont tu parlais tout à l'heure, et bénéficient du système aux dépens des autres. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un égoïsme. Je me fous de ce qui peut arriver aux autres tant que moi, je suis heureux dans ce truc-là. Donc, c'est pas nouveau, l'égoïsme. Ça existe depuis que l'homme est l'homme, depuis que l'homme est homme. Donc, dire que c'est néo et libéral, c'est ni néo parce que ce n'est pas nouveau, et c'est ni libéral parce que ce n'est pas la reconnaissance des droits pour tous les individus, mais c'est la reconnaissance de l'égoïsme de certains individus, tu vois. Donc néolibéralisme, c'est un mot mensonge qui dit le contraire de ce qu'il prétend dire. Qu'est-ce que tu allais te dire là-dessus? Oui, ben, c'est en fait c'est le terme de néolibéralisme, c'est parce que c'est chronologiquement c'est une évolution du libéralisme ou une perversion du libéralisme et l'étiquette le préfixe néo effectivement c'est une facilité langagière que de dire néolibéralisme. Voilà, il y a l'étiquette libéralisme, il y a une évolution, donc on met le préfixe néo pour souligner cette évolution-là. Mais moi, en psychologie sociale, il y a un de mes maîtres à penser qui lui disait, il parlait pas de libéralisme, il disait, il y a un individualisme voltairien, l'individualisme de Voltaire, c'est un humanisme, et il y a un individualisme frelaté, un individualisme publicitaire, celui qu'on connaît aujourd'hui, qui effectivement, comme tu le dis, renvoie à de l'égoïsme, renvoie à ce qu'il avait appelé, c'est Jean-Léon Beauvoir, ce qu'il avait appelé du soi-isme, le soi, uniquement le soi. Et ce soi-isme, effectivement, ce soi-isme, c'est Narcisse, Narcisse qui est dans le fait de se croire différent des autres, qui pense qu'à lui, qui se croit meilleur que les autres, qui se veut libre, qui se veut différent, qui se veut autosuffisant, qui pense qu'il n'a pas besoin des autres pour s'épanouir. Et ça, effectivement, cette forme d'individualisme-là ne ressemble plus en rien à l'individualisme de Voltaire, qui était, lui, pour le coup, un vrai humaniste. Est-ce que c'est dans ce soi-isme que tu rangerais la dérive droit en désir, ou est-ce que c'est encore autre chose? Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est là, c'est mes désirs passent avant tout. Mes désirs doivent être assouvis rapidement. Et passe avant les autres, avant les autres. Une forme d'égoïsme, d'égocentrisme exacerbé. De caprice. Et caprice, exactement. Et je m'épanouis dans la consommation. Je m'épanouis dans des plaisirs artificiels, Matériel. consuméristes. D'accord. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que ça, Henri, cette pseudo-philosophie ou cette philosophie frelatée, c'est un mécanisme d'atomisation de la société.
Oui, ça pour ça c'est Albert Jacquard en parle très bien dans les différentes les émissions qu'il a pu faire qui sont encore disponibles sur YouTube, mais il parle d'atomisation de la société, vraiment de délitement des liens sociaux. Je ne me reconnais plus dans l'autre, je veux me différencier de l'autre de manière Artificielle. artificielle et puis de manière violente quoi il y a un sentiment de supériorité et là on peut pas faire l'impasse sur la compétition qui est devenue un des moteurs de la société et ça c'est probablement dû à la collusion entre le libéralisme et le capitalisme. Alors, le capitalisme est-il indépendant du libéralisme? Le capitalisme est-il une conséquence du libéralisme? Comment tu articules les deux? Pour moi, le capitalisme, c'est un système économique. D'ailleurs, les premiers capitalistes, ce sont les États à la base. Ce sont les États qui sont sur ce système économique-là. Donc pour moi, c'est indépendant. Alors aujourd'hui, depuis 50 ans, ça s'est tellement rapproché qu'on ne fait plus trop la différence. Mais pour moi, au départ, libéralisme et capitalisme, c'est deux choses différentes. Le capitalisme, c'est un système économique. C'est un système économique, comme il y en a d'autres, hein, mais c'est un système économique Alors, qui est basé sur l'idée, ouais, non, vas-y justement, tu allais donner une définition. qui est basé sur l'idée que les capitaux doivent, les flux financiers doivent être en permanence en action, que tout capitaux doit être investi pour générer un bénéfice et que ce bénéfice, on doit le réinvestir. Et un peu comme un requin, le requin, c'est un animal qui meurt s'il arrête de bouger. Si le requin arrête de bouger, il meurt. Il a besoin d'être en mouvement en permanence. Le capitalisme, c'est pareil. Le flux financier ne doit pas s'arrêter. Si le flux financier s'arrête, s'enraye, le système s'écroule. Et ce système économique-là a trouvé dans le libéralisme une philosophie qui correspond à ses principes économiques. Alors, peut-être que je simplifie les choses à outrance, mais j'aime bien aller à la cause des causes, comme dirait quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord, ou est-ce que tu nuances, ou est-ce que tu es en désaccord, trois positions possibles, sur cette idée-là? Pour moi, le capitalisme, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le capitalisme, cette perversion. Quelle est la nature? Qu'est-ce que le capitalisme? Pour moi, c'est une perversion. Mais je mets ça pour l'instant de côté. Là, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, le capitalisme, c'est l'égoïsme, tu sais. C'est l'enrichissement, tant et plus, de soi. Et donc, tout à l'heure, on a vu que le pseudo-néolibéralisme est en réalité un terme qui cache l'égoïsme. Et donc, ce néolibéralisme et ce capitalisme ont le même moteur, la même, oui, le même moteur, ce qui les fait se mouvoir, qui est l'égoïsme. Donc, certes, le capitalisme, c'est un champ politique. Pardon, c'est un champ économique, Économie. voilà. Alors que le néolibéralisme, ben, est-ce que le néolibéralisme c'est seulement économique ou c'est plus large que ça? Mais pour moi, le néolibéralisme, c'est la fusion entre capitalisme, libéralisme et démocratie libérale, démocratie ou une démocratie de papier où tu considères que ton seul devoir, c'est d'aller voter. Et que tu abandonnes toute velléité d'exercice du pouvoir. Donc tu fais ça et tu consommes à la place. Tu vois, tu et donc le capitalisme se nourrit de ça. Ne t'intéresse pas à l'organisation de la cité. Amuse-toi, consomme et laisse faire les grands. Exactement. C'est quasiment mot pour mot ce que je disais en commentaire d'une vidéo aujourd'hui. Bref, D'accord. donc, dans le capitalisme néolibéral, qui est en réalité la même chose, c'est produit, consomme, élit. Parce que je fais une différence entre voter, voter c'est tu votes directement une loi, tu vois, et élire, tu vas élire l'intermédiaire dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait d'intermédiaire religieux, tu sais. Contrairement au protestantisme. Et là, dans le domaine politique, voilà, c'est au lieu de faire toi-même, de prendre toi-même ta responsabilité à évaluer au sens critique, au sens de, à faire usage de ton libre arbitre, est-ce que cette loi est valable, oui, non, etc., prendre connaissance et l'évaluer, eh bien non, tu vas déléguer ce pouvoir, cette autodétermination, mot que tu as employé dans la.
et que je reprends tout à fait à mon compte, qui est pour moi peut-être même la première liberté. Tu sais, on parlait de libéralisme. Pour moi, la première liberté, c'est l'autodétermination. C'est un peu peut-être l'individuation, mais au sens positif, tu sais. Enfin, je ne dis pas que Oui. l'individuation, c'est quelque chose de négatif, mais... Oui, tu as raison. L'autonomie au sens d'autodétermination, c'est la finalité du libéralisme, initialement. C'est vraiment, et ça a donné lieu au concept de l'autodétermination des peuples. Le droit pour les peuples de décider comment est-ce qu'ils veulent être gouvernés ou se gouverner. Et effectivement, là, il y a un champ d'études intéressant, et je n'ai pas eu le temps de creuser davantage, mais ça m'intéresse, c'est le terme autonomie est un terme qui est vraiment polysémique. Il y a plein de sens différents derrière le mot autonomie. Et autonomie au sens d'autodétermination, c'est une finalité louable et noble, peut-être la plus noble qui soit. Quand on est enseignant, on essaie d'amener des connaissances à des esprits en construction pour qu'ils puissent déterminer eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Mais l'autonomie au sens de l'autosuffisance psychologique, autrement dit, je n'ai pas besoin de toi pour être heureux, je n'ai pas besoin de toi pour m'épanouir, c'est probablement l'envers sombre de l'autonomie, quoi. Et c'est le moteur de la société nord-américaine, l'American Way of Life, c'est l'autosuffisance psychologique. Mon bonheur dépend que de moi, ne dépend pas des autres. Et c'est ça qui est paradoxal parce que les êtres humains sont des êtres éminemment sociaux. On a besoin des autres. Et ce néolibéralisme qui valorise l'autosuffisance psychologique, ben, il contribue, comme on disait tout à l'heure, à faire éclater les liens sociaux. Mais l'autodétermination, effectivement, c'est un des principes le principe initial du libéralisme. Est-ce que tu es d'accord pour dire que l'autodétermination est synonyme d'émancipation? Oui, ça me va bien, ça me plaît bien. Parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique un point de vue, en tout cas que je partage, c'est que, à mon avis, on se trompe quand on pense que le but de la société, c'est le bonheur, de maximiser le bonheur, alors qu'en réalité, le but de la société, une société que j'appelle mature, d'une humanité mature, c'est une société qui a pour but l'émancipation, tu vois? La liberté, c'est le but. Mais en réalité, on n'est jamais, et on le disait plus tôt, on n'est jamais réellement libre. On a toujours des influences dont certaines sont utiles, tu vois. Donc ça, il faut simplement l'intégrer et savoir évaluer quelles sont les bonnes influences. Donc la liberté, c'est un peu le but, pas inatteignable, mais comme tel, tu vois. Et l'émancipation, c'est le processus qui doit nous amener le plus possible, qui doit tendre à la liberté. Et donc le but de la société, ce n'est pas le bonheur, c'est l'émancipation. L'écueil de penser que le but de la société, c'est le bonheur, ça donne flanc, ça donne une emprise au capitalisme qui va dire, ah, le but de la société, c'est le bonheur, mais moi, je vais vous en vendre du bonheur, il suffit de consommer, il suffit de se voir plus fort, plus performant, etc. Et donc là, il y a une déviation possible, parce que Ah oui. Le bonheur, c'est éphémère, c'est du registre de l'émotionnel et on peut le voir différemment d'une personne à une autre. Quelqu'un va se contenter de voir la nature et il va être heureux, tandis qu'une autre personne va vouloir des attributs sociaux, etc. Tu vois? Tandis que l'émancipation, c'est beaucoup plus noble et c'est beaucoup plus perméable aux dérives capitalistes ou autres. Oui, ça me va bien aussi. Attention, le terme de liberté, il y a plein de libertés différentes. Il y a plusieurs types de libertés. La liberté individuelle, la liberté collective, la liberté d'action, la liberté de conscience. Il y a plusieurs formes de liberté. Toutes ne sont pas à mettre sur le même pied d'égalité, à mon avis. Ce que tu dis, ça me fait penser aussi aux travaux de Norbert Schwartz, qui a travaillé sur le paradoxe du libre choix. En fait, il part du constat que dans nos sociétés modernes, nos sociétés occidentales, postmodernes même, elles se basent sur un postulat qui est que le bonheur est lié à la liberté. Et que plus on aura de la liberté, plus on donne de la liberté aux gens, plus ils seront heureux. Et il prend le contre-pied de ça, en disant effectivement, entre zéro liberté
et beaucoup de liberté, il vaut mieux avoir beaucoup de liberté que zéro liberté. Mais ce n'est pas une, pour lui, ce n'est pas une fonction linéaire. Ce n'est pas plus tu as de la liberté, plus tu es heureux, parce qu'il soulève que l'éventail de choix peut paralyser les décisions. Et au-delà de ça, au-delà de paralyser les décisions, plus tu as de choix, plus tes attentes augmentent. Oui, c'est expectation en anglais, Oui. plus tes attentes augmentent. Et du coup, le fait que tes attentes soient beaucoup plus élevées, eh bien, ça te crée une forme de spirale infernale où tu n'es jamais satisfait, parce que tes attentes sont très, très, très élevées. Et du coup, le revers de ça également, c'est que une fois que tu as fait ton choix, que tu as réussi à faire ton choix, ben forcément, comme tes attentes étaient très élevées, tu n'es pas pleinement satisfait. Il y a toujours une forme d'insatisfaction. Et à qui tu peux attribuer la responsabilité de cette insatisfaction? À toi-même, puisque tu avais le choix sur plein de choses. Et donc pour lui, ce trop de choix, c'est nuisible au bien-être et au bonheur humain, d'autant plus que ce qui permet aux Occidentaux d'avoir autant de choix dans leur quotidien, c'est parce que dans d'autres pays, ils n'ont aucun choix possible. Et donc là, il y a une dimension écologique pour donner cette profusion, pour donner ce choix infini, quasiment infini aux Occidentaux. On a puisé dans les ressources naturelles Accaparé. beaucoup. On a accaparé des ressources à des peuples avec la colonisation, et on a puisé dans les ressources naturelles plus que ce que Mère Nature pouvait régénérer comme ressources. Et donc du coup, son propos, il est à la fois teinté d'écologie et à la fois teinté de répartition, d'équilibre finalement des richesses.